Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour du RP sur téléphone. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une scène RP et j'espère qu'elle vous plaira. Tout cela se passe sur mon serveur en collaboration avec Graphix, sur le serveur BP France Roleplay qui est dans la description, qui est disponible sur téléphone et Android. Mais tout d'abord les petits potes, n'hésitez pas à lâcher votre like si ce genre de vidéo vous plaît, de micro-histoire, scène RP, flash pour donner du jeu aux joueurs et moi m'éclater sur des scènes RP. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de scène vous souhaitez voir sur le serveur. Et également, n'hésite pas à t'abonner parce que ça soutient la vidéo, qui soutient la chaîne, qui soutient le projet. Petit contexte de l'histoire. Je suis un grand bandit qui a été arrêté par les forces de l'ordre, je me suis retrouvé en prison et l'objectif c'est que j'aille en fédéral. Sauf qu'auparavant, j'avais glissé le mot à d'autres organisations que si je finissais en prison, c'était à eux de venir me chercher. Et donc du coup, des organisations se sont assemblées et sont venues me chercher. Bref, sur ce, bon visionnage. On est mort. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Libéré, Jean, libéré, calme-toi, calme-toi. Ok, 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 passe-moi. Ouais, passe-moi. Okay, nickel. Merci. Tiens, tiens. Quoi? Tiens, prends des habits, vas-y, passe. Ok, nickel. Ah, attends, je mets ça. Regarde pas. Tiens, le bol est aussi. Il est ici. Ok, nickel. Ok, nickel. Bon, fais comment? C'est quoi le plan? Là, on va dehors. On passe par la porte principale. Ok, t'es sûr? Ouais, sûr. Y'a des gars devant, t'es sûr? Y'a beaucoup de monde là. Y'a beaucoup de monde, t'inquiète pas. Avec des AK-47 et tout. T'es au courant que tu mets ta vie en jeu pour moi, là? Oui, t'inquiète. Ouais, vas-y, je te suis. Putain de prison de merde, j'en ai marre. Personne, c'est bon, ok. Quoi? Où les... Ah non, je connais toujours. Je crois que c'est. Attends, je crois que c'est là. Je suis pas sûr. Attends. Non, ça c'est dispatch. Merde. Les caméras vite. Ça va être en bas. Ça va être ici, je pense. Je reconnais pas la porte de sortie. Je rentre toujours par la porte extérieure. Moi, j'en ai marre. Ça va être par ici. Attention. Braque. Ok. Ok, on est là. Ok. C'est bon, RS. Braque au cas où, braque. Ok, c'est bon. Ok. Je sécurise derrière. Ok, c'est bon. Rentre. Ok, c'est bon. T'as reçu quoi sur ton téléphone? T'as reçu quoi? Ils sont là ou pas, les gars? Ouais, si, ils sont là. Ok, parfait. Allez, on y va. 1, 2, 3. Ok. Ah, voilà. Voilà. Ok, bien vu. Ok, y'a le paquet. Où vos collègues, là? Ils sont où, vos collègues, Zabi? Certainement en train de... C'est bon. Appelez-les tous. Un conducteur, les gars, un conducteur. Moi, je peux pas conduire. On négocie. Attendez, on va pas partir comme ça. C'est pas parce qu'on a le mec. Par contre, le mec, tu peux partir, toi. Tu vas derrière le comico avec le prisonnier. Tu lui dis qu'il y a une voiture qui vous attend derrière. Allez-y, prenez. Viens le. Go. Bande d'enfoirés, je suis enfin libre. Bande d'enfoirés. Allez, go, putain, enfin ça fait du bien de respirer l'air. Ok, il est là, le véhicule est là, c'est bon. Go. Vas-y, conduis. Conduis.
On m'a pris mon couteau. Bande d'enfoirés, allez vous faire foutre. Voilà. Vas-y, go à la planque, Bon, dis-moi, tu vas aller où? Ramène dans un coin safe, là où ils pourront pas venir. Chalet. Vas-y. Tu fais quoi dans la vie, bonhomme? Ah, je fais de la mafia, moi. La mafia? Laquelle? Les Peaky Blinders. Ok, tu fais partie de ceux que j'ai mentionné au cas où il se passait ça, quoi. Ok, bien vu. Tiens, arrête-toi ici, vite fait, au concert, là. Arrête-toi, tout de suite, ici, là. Friend, descends. Ok, tu bouges pas. Contre le mur. Ok. Quelle bande d'enflures, ils ont cru qu'ils allaient avoir mon pognon. Donne-moi tout ce que t'as sur toi. Donne-moi toutes tes armes, là. Toutes tes armes, toutes tes munitions. Ton téléphone aussi. Tout! Ah ouais, t'étais bien équipé, dis donc. Ok, parfait. Vas-y, remonte dans le véhicule. Le moindre geste là-bas, ok? J'ai mené te sauver, puis tu me traites comme ça. Tu croyais que le milieu du business, c'était quoi, le milieu du business? Je crois que ça se faisait comme ça dans un claquement de doigts. Une extraction, et c'est fini, mais t'es malade, toi, quoi. Ok. Tu bouges là-bas, ok? Ok. Parfait, l'ami. Parfait. On peut s'en aller tenue adéquate. Ça tombe comme un rond. Vas-y, descends. Bouge pas. Ça a tout pour te libérer, hein. Allez, rentre! Range tes dés, rentre! Ok, suis-moi. On va regarder si mon coffre il est resté là depuis longtemps. Putain de merde. Ok, laisse-moi creuser un tout petit peu. Voilà, elle est là, mon joujou. Je l'appelle Vanita, tu sais pourquoi? Hein? Tu sais pourquoi? Ok. Parce que j'aime la vanille. Vanita! Recule! Mon oreille. Kill. Recule ou je t'abats! Ok. Je vais te passer ton téléphone. Tu vas envoyer à ton chef qui me ramène un véhicule et 5 000 $. Je m'en fous, il est réuni, je m'en fous. Je passe ton téléphone. Tu fais rien d'autre, tout que je t'expose. C'était quoi? C'était le blanc ou le noir ton téléphone? Il y en a deux. Je sais plus c'est lequel le mien. Le noir. Bah tiens, t'auras le blanc par la peine. Couleur fillette blanche. Ouais, je reconnais bien. Voilà. Tu me dis quoi exactement? Tu lui dis que t'es actuellement à la mine. Tu ramènes un véhicule devant la mine, en bon état. Recule ou je t'abats. Bon. Viens par ici. Arrête de reculer, sinon je t'abats. Viens par ici. Merde. Toi, je te garde là-bas. Va là-bas. Désolé, monsieur, désolé. T'as quoi sur toi? Passe-moi toutes tes armes blanches, là. Je sens que t'as un petit couteau dans ta poche, là. Passe-moi tout, là. Donne-moi tout. Toi, tu fais pas de conneries, sinon je t'explose! Allez, donne-moi! Ok, parfait, maintenant tu vas par là-bas. Ok, nickel. Voilà, parfait, nickel. Laissez-moi faire une photo de famille, s'il vous plaît. Voilà, faites un grand sourire, un petit cheese. Allez, je vais vous entendre cheese. Voilà, parfait, nickel. Ils t'ont répondu ou pas? Ok, bon alors toi. Oh non, ah. C'est finito. Finito. Oh. J'irai trouver une place au cimetière, t'inquiète. Il y a de la place en ce moment. Non. Si. J'ai envie de mourir, monsieur. Oh. Ta gueule ou je t'explose? Ta gueule! Ils sont encore au commissariat. Ah bon, c'est encore au commissariat? Attends, j'ai oublié la lecture. Dis-moi, comment? Allez, dis-moi. Dis-moi à haute voix ce que j'ai oublié là. Alors. Je suis à la mine. Le prisonnier me braque. Il veut une voiture et 5 000 euros.
Lui, il m'a dit quoi? Moi, je lui ai dit, t'es où, là? Et il m'a dit, Komiko. Allô? Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Ok. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Toi, écoute-moi bien, je vais te baiser ta mère. Oh, il a dit, je vais baiser ta mère. Bon, alors, toi. C'est finito. Laisse-moi lui envoyer une photo. Voilà, je vais lui envoyer une gentille photo. Parfait. Je suis désolé d'en arriver là. Je vais devoir laisser un petit mot ici. En disant que... Il m'a bien écouté pour une fois. Mais ça remboursera pas la mort de mon frère. Ok. Non, je vais mettre ça ici. Voilà. En espérant qu'il te retrouve et que t'as encore un pouce sur le cœur. Je le compte sur toi, bonhomme. Comme un message, sinon il ne passera pas. Je te souhaite une bonne continuation et toute mon condoléance. Ok, bon. Du coup, ils vont vouloir m'appeler. Moi, ce que je vais devoir faire. Putain de merde, c'est lâcher mon téléphone par terre. Ok, je vais lâcher ça. Voilà, parfait. Hop, chut. Allez, c'est parti. La sortie. Ok, tu recules. Ok, nickel. On va aller au garage et on va sécure tout ça. Putain de merde. Je le savais, je pouvais pas leur faire confiance. Peut-être bien que c'est moi qui est faux, peut-être bien que non, je sais pas encore. Mon frère, je suis là, mon frère. Putain, me dis pas que t'es mis ici, hein, comme j'ai vu dans le journal. Putain, ils t'ont mis ici, les enfoirés. Ils ont osé te mettre ici. Putain de merde, frangin. Putain de merde. Je vais te venger, tu sais. La phrase classique, t'es de grand gangster. Je te vengerai. Bah, je vais me faire discret, là, les prochains jours. Mais t'inquiète pas, je trouverai une jolie place. Avec toute la famille. Ok, bonhomme. À très vite. Attends, j'ai oublié un truc, frangin. Faut que je te laisse mes fringues. Tiens, vas-y, passe-moi tes sapes. Passe-moi tes vêtements, s'il te plaît, frangin. S'il te plaît, passe-moi tes vêtements. Allez, passe-moi tes frangins. Allez, s'il te plaît. Ok, nickel, frangin. Merci à toi. Je t'en voudrais ça, t'inquiète. Ok, bon. Est-ce qu'ils ont changé le trou de ma serrure? J'espère pas. Faut ça derrière, là. Ça m'appartient pas, cette véhicule. C'est quoi, ça? Eh, vas-y. Putain. Ok, est-ce qu'ils ont changé ma serrure? Fais-moi voir ça. Nickel! Je suis à la maison, les gars! Oh! Quelqu'un? Putain de merde! Oh, y'a ma voiture! Wouhou! Putain, ils sont barrés avec. Il s'est passé quoi? Y'a quoi là-dedans? Quoi? Putain de merde! Ils sont barrés avec tout! Pas de soucis. Pas de soucis. De toute façon, comme on dit, on a rien sans rien. On a que. Sa vanilla. Et son couteau. Bon les tipos, j'espère que cette scène vous a plu. Je vous retrouve sur le serveur Brogue Protocol France qui est dans la description en semi-waitlist. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des joueurs qui sont motivés, qui sont là tous les jours. Sachez que je pourrais jamais vous dire assez merci, mais merci à toi. Et puis sur ce les tipos, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en RP, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ouh, une très bonne fin de soirée. C'était Psytrag. Bye bye.